Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, Noël est dans 3 ou 4 jours. Aujourd'hui, comme vous l'avez identifié, je vais aller acheter les cadeaux de bijoux et de trésors. Et la vidéo, je vais la sortir peut-être le 23 ou le 24, tu vois. Que j'ai pas envie que bijoux voit la vidéo en avance là, parce que je sais qu'il serait du genre à faire ça. Oh, je vais regarder en avance ses premiers cadeaux. Il va avancer et regarder ses cadeaux, tu vois. Non, on va empêcher ça. Donc là, la vidéo va sortir un ou deux jours avant Noël. Et aujourd'hui, on va l'acheter des cadeaux de ouf. Les gars, j'ai déjà une idée de ce que je vais acheter à bijoux, mais je suis en même temps indécis. Et trésor, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais lui acheter. Donc là, regardez la vidéo, on va essayer de découvrir qu'est-ce que je pourrais lui acheter. Et bijoux, je sais ça ce que je vais acheter, mais je suis pas sûr en même temps. Genre, je suis confus, frère. Genre, je suis entre les deux. Et les gars, ça, c'est pas une surprise. J'ai déjà demandé ça à bijoux. J'ai demandé si vous voulez un seul gros cadeau ou plusieurs cadeaux. Et le un seul gros cadeau là, je lui ai déjà dit, c'était la PS5. Donc s'il avait choisi ça, je lui ai acheté seulement la PS5. Parce que la PS5 c'est genre 600 balles frère. Donc là je vais pas dépenser 600 balles. Plus lui acheter des choses à côté qui vont me revenir à genre 1500 ou 2000 balles frère, tu vois genre. Tu vois, je vais trembler comme ça là si je fais ça. Mais la PS5 on va l'acheter quand GTA 6 va sortir, tu vois. Là on en a pas besoin, on a la PS4 là qui fonctionne bien et tout là. Donc on est tranquille avec ça. Donc là il a choisi que je l'achète plusieurs cadeaux. Donc je vais acheter plusieurs choses. Et ce que je compte lui acheter c'est des paires. Pas une, pas deux, pas trois. Mais 4, mais non, je rigole, frère. T'as vraiment cru que je vais acheter 4 paires? Non, mais je vais acheter quelques paires là, mais je suis vraiment indécis au niveau des paires. Vous allez voir tout à l'heure quand on va arriver là-bas. Et trésor, et j'ai absolument aucune idée. Mais bon, bref, on va y aller, les gars, on va pas perdre du temps. Là, actuellement, j'ai grave froid, je suis au centre-ville. J'ai garé ma voiture au fond là-bas, parce qu'il n'y a absolument pas de place au centre-ville. Et là, il faut que je marche jusqu'au fond là-bas. Vous voyez l'immeuble là-bas là? Au fond là-bas, pour arriver au Nike, au Foot Locker. Et en plus, j'ai froid, les gars, il fait froid. Regardez ma bouche. Apparemment, il fait moins 5 degrés là. C'est pas très chaud ça, hein. Là, je suis à 5 minutes de là-bas, là, les gars. Il reste encore de la marche à faire. On va y arriver. Hé? Les gars, vous, c'est beau la nuit ici. Regardez comment les gens marchent, les immeubles, les couleurs. Regardez ça, les lumières de Noël et tout. Regardez. Ok, s'il n'y a pas beaucoup de gens là, mais quand on va arriver là, il y a les magasins là, il y aura beaucoup plus de personnes. Vous allez voir comment l'ambiance est cool. Ah, regardez les gars, il commence à avoir beaucoup de gens. Regardez l'ambiance. Et là-bas, il y a encore beaucoup plus de personnes. Là, on commence, ça commence là. Pas mal de gens ici, hein. Hey. J'ai traversé comme ça. Ne traversez jamais au feu rouge, ok? Ne faites jamais ça, c'est dangereux. Ça, je l'ai fait parce que la rue était petite, tu vois. Enfin, les gars, je suis arrivé. Le Nike est juste là. Donc, on va commencer avec les paires que j'ai envie de voir à Nike. Parce que je vais acheter deux paires à bijoux. Soit une paire, soit deux paires. Vous allez comprendre tout à l'heure, mais les gars, je suis grave indécis là. Vous comprenez pas à quel point. Nike fait des milliards et ils peuvent mettre des portes automatiques là qui s'ouvrent comme ça là. Wesh, ok. C'est même pas ouvert. On est back à Nike. Ce que je comptais acheter à lui, les gars, c'est les LeBron 20, les gars. Et le LeBron 20, il coûte genre 270 balles plus tard. Donc à peu près 300 et quelques balles, tu vois. C'est chaud. Donc, ce que j'avais comme idée, c'est de l'acheter une paire. Si je dois l'acheter le LeBron 20, je ne l'achète pas d'autres paires à côté. Parce que frère, 300 balles pour une paire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais si je l'achète, disons, une autre paire comme des Jamorant ou des Nike, je sais pas, n'importe lesquelles, je peux l'acheter une autre paire à côté. Et actuellement, Bijou, on dirait qu'il a plus de paires de basket pour jouer au basket que des paires pour marcher dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc là, j'ai envie d'acheter deux paires, une de basketball et une de pour marcher dans la rue. Je suis vraiment indécis là les gars, genre, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais faire. Et je comptais aller à Foot Locker pour voir l'autre paire que je vais lui prendre. Mais ici à Nike, on dirait qu'il y a des belles paires quand même, regardez ça. Il y a les Jordan 1, les 12. Soit je reste ici, j'achète tout ici, soit je vais à Foot Locker après. Regardez les LeBron 20. Attendez, c'est lesquels? Les gars, je sais même pas à quoi ressemble les LeBron 20. Je pense que les LeBron 20, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je pense que c'est ça. Ah, c'est ça, non. Ça, c'est les 21. Bah, ça veut dire que c'est les 21, ça. Là, on veut les 20. Je sais pas s'il aime les 21. Ils sont pas mal, ils ont l'air pas mal, hein, en vrai. Ils sont belles. Wesh. Oh. Ouais. Vous avez vu le prix ou pas? 260 balles. Je prends ça, je prends pas d'autre part à côté, frère. Parce que là, si je prends ça et une autre part à côté, ça fait genre 500 balles. Et j'ai pas 500 balles à dépenser en soulier, frère. Hell no. Ou je lui prends encore des jet cuts, là. Ce qu'il avait pris la dernière fois. Hell no. Ah ouais, donc ça a coûté pas mal cher, hein. 225 balles vraiment. Je sais pas quoi faire. Parce que frère, si je te prends. Oh. Je sais pas quoi faire. Ça c'est quoi? Ou je vais lui prendre les Jamorant. Je vais appeler la dernière fois là.
c'était, il y avait un choix difficile entre les Jamoran et les cheat codes qu'il voulait dans l'autre vidéo là où on achetait les paires. Je lui prends les Jamoran. Et en plus Jamoran il a commencé à jouer il n'y a pas longtemps là. Donc ça tomberait bien, tu vois. Mais ils sont pas là les Jam, je les trouve pas. Je les vois même pas. Celles-là elles sont belles par exemple. Hein. C'est même plus cher que les LeBron frère. Les gars, regardez ça, ok. Depuis que je vous montre les paires et tout, là, vous voyez, je les prends, je vous montre et tout là. Hein. Il y a un bouc qui est derrière moi. C'est la sécurité, je pense. Il est grave musclé là, il me regarde là, gars. Il est comme ça, il est en train de me regarder là. Il croit que je vais rien acheter, frère. Je peux acheter toutes les paires que je veux ici, frère. Genre, il est derrière moi en train de me surveiller là et tout là. Là il me regarde encore là, je pense que je vais cliquer des trucs ici frère. Quand je vais acheter des paires, arrête. Il est derrière moi frère. Il y a une sacoche, il est grave musclé et tout là, mais bon. J'ai continué à regarder les paires tranquille. Il y a les Jamoran encore ou pas? En bas, je crois pas qu'il y a Jamoran. Vous avez plus à prendre les avis. Je pense que peut-être qu'il reste quelques paires en arrière. Ouais, tu te rappelles? Je vais voir s'il reste des Jamoran en arrière. Ok. Ouais, c'est quoi ça? C'est grave lèvre, frère. Hein. You. Pourquoi est-ce que j'achète ça? Parce que ça, il va faire un remboursement direct. Oh, yeah. On va à la Crypto Curve faire un tour, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais j'attends le gars là, il a dit qu'il va venir avec les Jamoran là. Je vais voir si elles sont belles ou pas. C'est les seules qu'on a en ce moment, 8.5. Ok. C'est les seules couleurs là? C'est la seule couleur qu'on a. Toutes les autres couleurs qu'on avait avant, on a sell-out. Fini. C'est le newest. Je sais pas si tu vas aimer ça. Rose, hein? Ah ouais, je sais pas si tu vas aimer. Yo, si Jamoran met ça, yo, si Jamoran promote, puis lui, non? Non, je pense pas que je vais aimer ça. Regardez le Nike aussi. Regardez comment genre, il est genre. Regardez comment il est genre. Ça c'est Nike, mais c'est genre le Nike, il est genre. Il bouge là, genre le Nike, regardez comment il bouge. Regardez comment il bouge. Je sais pas s'il va aimer. Oh non, je pense pas. Je pense pas qu'il va aimer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller Footlocker, on voit qu'est-ce qu'ils ont et si c'est pas ouf là-bas aussi, on revient ici. LaMelo Ball. LaMelo Ball. Ouh, c'est abordable. Mais est-ce qu'il va aimer les LaMelo? J'ai jamais entendu parler de ça, personne ne veut. LaMelo. Bon. Oh, il y a Curry ici. Steph Curry. Il aime beaucoup Steph Curry, bijou. Donc, si je prends des Steph Curry, ça va pas le déranger. No cap, les gars. Je sens qu'on s'approche du but, là. De ce qu'on va prendre. Bon, on va aller en haut. On va voir de quoi ça a l'air. Il y a pas mal de trucs ici. Ça, c'est lesquels là? Ça, c'est les Jordan 7. Les gars, je me connais, je suis sûr, mais genre, depuis que j'ai arrêté d'en acheter, je sais même pas à quoi ressemblent les nouveaux modèles ou quoi. Avant, j'étais à fond dans les souliers et tout là, mais là, j'ai arrêté, mais je vais bientôt reprendre. Mon garde-robe là, je vais remplir de nouvelles paires. Oh, ça, c'est les Jack qu'on a vu tout à l'heure. Et le gars a dit que c'était un nouveau modèle, donc peut-être en vrai, je peux lui prendre ça, et c'est nouveau, c'est grave cool et tout le monde voudrait ça, et puis je même, il aimerait bien ça, mais non, non, la vérité, non, vous voyez ce que j'ai dit, frère, regardez les gars, est-ce que vous aimez les Jaya là, cette couleur là, dites dans les commentaires si vous les aimez ou pas, c'est les quoi ça? Les Nike KD, oh c'est les KD 16, ouais, ils sont pas mal en vrai. Ça c'est encore... Oh c'est déjà, encore déjà. Ok, celui-là, là la couleur elle est meilleure. Elle est plus belle que celui-là en tout cas, personnellement. Celui-là je sais pas c'est le quoi. Bref les gars, ouais, je pense que tout va se jouer entre les Curry, Steph Curry et les Ja ici. Les bons Ja là, cette couleur là. Celle-là, elle est clean, elle est plus discrète, elle est plus cool quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais les Curry là, j'ai l'impression que le bas là est meilleur. Les grips.
ça là, on dirait qu'il va glisser quand même avec. Non? Oh frère, c'est tellement chaud. C'est pas obligé de donner des cadeaux, non? Donc je peux rentrer à la maison normalement et rien donner à Noël. Pour essayer, ça serait en bas. Je l'appelle ou pas? Je lui demande Jamoran ou Steph Curry. Oh voilà, les gars, je vais faire ça. J'appelle Bijou, je lui demande Jamoran ou Steph Curry. Dépendamment de sa réponse, je prends la paire qui choisit. Le joueur qui choisit. C'est moi qui va répondre. Dis-moi qu'il a sa pratique, frère. Réponds. Il a une pratique. Ja Morant, il vient de faire son retour. On va chez ça, c'est cool. C'est Karate Savasini. Steph Curry, bijou Steph Curry. Et le bas a l'air plus résistant, frère. Ça a l'air genre. Il va faire le. Il va pas facilement glisser avec. Oh my god, je sais pas, bon. Je lui prends aussi une veste, je pense. Damn! Hell no, ouais. Je pense qu'il a pas besoin de veste, hein. Je pense qu'il a pas besoin de veste. Ça, c'est le LeBron 20, j'imagine. On va poser ça là. Les LeBron 20, déjà, on va les éliminer parce que je dois te prendre deux paires. Si je dois prendre une paire, ça va être juste les LeBron 20. LeBron 20, on va les prendre dans 3-4 mois, frère. Pas besoin. Steph Curry ou Jamorant. Écrivez dans les commentaires ce que je devrais prendre. Steph Curry ou Jamorant. Écrivez le live dans les commentaires. Les gars, si je prends les Steph Curry, c'est genre, c'est une paire. C'est une paire qui va pas s'attendre, tu vois. Il va pas s'attendre à avoir des Steph Curry. Et je sais qu'il aime Steph Curry. Les Jamoran, on les a vus il y a quelques mois là quand on a acheté les cheat codes. Donc, si je prends les Jamoran, il sera genre content parce qu'on a. Il les avait déjà vus, il les a déjà essayé et tout. C'était cool. Steph Curry, il s'attend pas. Ça va être une nouvelle paire, genre. Et là, oh. La qualité a l'air facile à déchirer. Ça a l'air facilement déchirable, regardez ça. Je sais pas si vous pouvez sortir là, mais. Ça, c'est écrit. C'est toujours Curry? C'est toujours des Curry. Oh! Et les gars, j'ai pris ma décision. Je sais qu'est-ce que je vais prendre. Je vais pas vous le dire avant la fin de la vidéo. Donc là, il faut vraiment que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, que vous soyez avec moi pour l'achat de tous les cadeaux. Je vais vous dire à la fin qu'est-ce que j'ai pris finalement. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu penses que j'ai pris. Triche pas, s'il te plaît. Triche pas. Continue la vidéo. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pour la deuxième paire que je vais l'acheter. Donc là, on va commencer les recherches pour la deuxième paire. Est-ce que je lui prends des ça? Non, je pense pas qu'il va aimer ça, les gars. Non, mais en vrai, ça, je pense qu'il aime ça, hein, les Vans comme ça. Il aime ça, je pense qu'il aime ça. Pourquoi est-ce que je peux lui prendre? Là, parce que si je sais qu'il n'y a pas de Jordan comme à Nike, là. Si je veux les Jordan qu'on a vu là, les Jordan 1 et tout, il faut aller à Nike. Je pourrais lui prendre un truc comme ça, les gars. Ça, c'est clean. Un truc comme ça, c'est bien, frère. Je peux porter ça tous les jours et tout. Non. J'ai acheté des Air Force la dernière fois pour rappeler. Je vais prendre un truc qui est différent. Oh, frère. C'est quoi ici comme paire de Jordan? Tout ce qui est là-haut. En fait, Jordan, elles sont toutes exposées là-haut. J'allais voir. Ouais, j'ai pas vu de Jordan là-haut. Ok, elles sont tous ici. Ok, je les vois. Ok, Jordan 1. Jordan 1 bleu, ok. Les gars, j'ai pris une paire de Jordan ici. Donc on va déjà y aller par élimination. Non. Ok, ça. Non, c'est trop blanc, frère. Il va porter ça. Un jour, par là, à l'école, il va revenir, tout sera noir. Quelque chose d'intéressant. Ça peut être intéressant, frère. Vous avez des Jordan 11 ici? Non, l'eau. Non? Jordan 1, un lot, j'aime les lots, frère. J'aime pas les trucs qui sont hauts. Alors, comme ça ici là, je pense que ça va aller avec le style du bijou. Genre des Jordan 1 haut. Je pense que ça va aller avec son style. Il porte des vêtements, il aime porter des vêtements qui sont. Nah.
tu dois prendre des shoes avec des low, comme ça. Bon bah, je suis arrivé au verdict. J'ai ma réponse aussi pour la deuxième paire. Et encore là, les gars, je vais vous dire à la fin de la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, les gars, je vais prendre les paires, aller à la caisse, payer. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Donc là, restez jusqu'à la fin. Les gars, c'était très difficile, mais j'ai réussi à trouver quelque chose. J'ai réussi. On y va. Je viens de sortir et d'acheter la première paire, mais j'ai pas encore acheté la deuxième paire parce que dans le magasin là, ils n'avaient pas la taille de bijoux. Ils avaient d'autres tailles, mais pas la bonne taille, quoi, tu vois. Donc là, ils m'ont dit que dans l'autre footlocker qui est au fond de la rue là-bas, au fond, ils ont la taille que je cherche de bijoux. Donc là, je vous ai de remarcher jusqu'au fond là-bas pour prendre la taille de bijoux, frère. Je dis toujours ça, bijoux. Pour prendre sa taille, la paire ici là, c'est la paire pour marcher dehors, c'est pas la paire de pour jouer au basket. Oh, frère. Je sais pas qu'ils sont pas ici aussi, bon. Le gars m'a dit qu'il y en avait ici. Donc les gars, on vient d'acheter la deuxième paire. La vérité, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir de genre, tu vois, acheter et donner, quoi, tu vois. Merde, les gars, j'ai rien acheté à Trésor. Putain de merde, là, je suis en train de faire le tour là pendant 2-3 heures pour acheter des trucs à bijoux. Mais Trésor, je n'ai rien acheté, frère. En plus, récemment, il s'est acheté deux paires de souliers, frère. One shot. Des Nike Dunk et une autre paire. Là, j'ai oublié, c'est quoi? Des Air Force. Des Air Force, un truc comme ça. Donc, elle vient d'acheter deux paires quand même, là. Donc là, je vais pas l'acheter une troisième paire encore, là. Mais, oh, je sais pas. Bijoux, je l'ai acheté deux paires. Oh, je sais pas, là, les gars. Mais je pense que le Trésor, je vais lui donner un. Je sais pas, qu'est-ce que je vais donner à un Trésor, frère? Je sais pas. Je connais un magasin où ils vendent des belles vestes et tout, là. Donc, je vais aller là-bas et je vais voir un truc pour elle, quoi. Sinon. Je sais pas, les gars. C'est le magasin dont je vous parle là. Où ils vendaient des trucs drip. Genre, drippy, tu vois. Des manteaux, des vestes. Et j'ai une fois qu'ils ont fermé. Vous avez vu comment le magasin était là? Ils ont, genre, André, genre, soit ils se sont fait vandaliser, soit ils ont tout fermé. Genre, ils sont en train de fermer les portes là. Tout est en désordre et c'est fini. Bon, bref. Trésor, qu'est-ce que je vais lui prendre, les gars? Qu'est-ce que je vais lui prendre? Ouais, c'est grave bon, hein, les gars. Regardez ça. Moi, j'ai froid, là. Bon, les gars, hier, là, je suis rentré à la maison. Je ne pouvais plus continuer. Genre, il faisait trop froid. Il faisait genre moins 10 degrés. J'étais en architecte. Je marchais dehors avec les sacs comme ça en main. Mais mes gelées, frère. Donc là, j'ai préféré juste aller à la voiture. J'ai trouvé un magasin là où je peux acheter une veste à Trésor, là, comme j'avais prévu de base. Un petit hoodie ou un petit chandail cool, quoi, tu vois. Et après ça, je compte aller dans un magasin de filles, là, pour lui acheter, tu vois, des trucs que les meufs mettent sur les lèvres, là, tu vois, du gloss, là. Regardez, les gars, ça a l'air cool, hein. En plus, je sais que Trésor aime les animés et tout, donc, si je prends un truc, genre, avec One Piece ou Naruto, là, elle va kiffer. Ça ici, là, vous voyez. Elle a fini Naruto, elle aime Naruto. Si elle a One Piece, ça, je connais pas l'animé. Malheureusement, je pourrais pas acheter ça, quoi, parce que je sais pas c'est quoi. Ou je peux acheter aussi un tableau. Regardez ça. Un truc du genre grave stylé, là. Oh, je sais qu'ici, on peut custom des tableaux, mais j'ai pas le temps de ça. Noël, c'est bientôt. Là, j'ai pas vraiment le temps de custom. Là. On va acheter un truc qui est déjà là. Oh, ça, c'est parfait. Oh, my God. Oh. One Piece, ça c'est parfait. Jeez. Mais j'irais plus avec ça aussi. Tu vois, ça c'est plutôt genre un truc fâché, émotion fâchée. Mais ça c'est plus, vous voyez, ceux qui connaissent One Piece, leur fille qui a eu le chapeau de paille au début là. C'est plus genre émotionnel. Mais Roi Academia, je sais pas. Qu'est-ce qu'une meuf pourrait bien aimer? Wesh. Oh, ça c'est grave bien, frère. Mais il n'y a pas la place à la maison pour le mettre. Ça, Kobe. C'est quoi ça? Orochimaru. Orochimaru, oh, je le connais.
Ils ont quel animé déjà? Donc les gars, finalement, je vais avec un t-shirt. Et puis apparemment, je ne vais pas juste acheter le t-shirt comme ça. Il faut que je le modifie, quoi, tu vois. C'est un magasin qui costume les t-shirts et tout, et les hoodies. Donc là, il faut que je choisisse la couleur du t-shirt que je veux. Et si je veux qu'on mette exactement ça dessus. Mais si je veux custom ça, ça paye plus. On va y aller avec peut-être du noir ou du rouge. Le rouge, ça sera trop agressant aussi. Du noir, tu vois. Un truc comme ça, clean, cool. Elle peut porter ça comme ça sur ses vêtements, sur ses choses. Donc les gars, c'est bon, je viens de finir le chandail là, ils l'ont imprimé, ça a pris grave du temps, frère. J'ai passé à peu près 40 minutes là-bas. Finalement, j'ai mis l'offre dessus de One Piece là. L'autre là, je me suis dit que genre, ça n'avait pas vraiment de signification, tu vois. C'était un personnage, une femme là, j'ai oublié le nom et tout, mais c'était pas vraiment un truc genre, tu vois, que tout le monde va dire, oh, c'est ouf. Mais l'offre, celui de l'offre là, lui, il est un peu plus ouf parce que genre, tu vois, il y a une signification derrière. Ça aurait été plus cool, quoi, tu vois, elle le voit, elle va être un peu plus genre, l'autre et tout, tu vois, alors que l'autre est comme cool, un animé. Là maintenant, prochaine étape, c'est de trouver d'autres cadeaux à acheter à Trésor là. Donc là, on va continuer et puis on va voir quoi. Là, je vais éteindre la caméra pour essayer de trouver d'autres choses là parce que là, j'ai vraiment pas idée, les gars. Oui, c'est des trucs pour les soins de peau là. Faut apprendre soin du visage. Je sais que Trésor, des fois, il utilise des instruments pour son visage et tout. Donc je pense que ça pourrait l'intéresser, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait l'intéresser. Je peux prendre quelque chose au hasard comme ça et dire, allez, on va prendre ça pour Trésor comme cadeau. Et au final, elle n'aime pas ça, quoi, ou c'est pas avec sa peau, quoi, tu vois, ça va pas avec sa peau. Donc là, on va faire le tour, là, et puis je vais prendre un truc, là, et ça va être dans ses cadeaux, là. Mais je vais prendre un truc comme ça, genre, qui donne une boîte comme ça, là, c'est un peu plus, genre, beau, tu vois, professionnel, beau, crème du jour, pour le visage. Ouais, ça pourrait être intéressant. Pêche, mangue, ça sert à quoi? Oh, des baumes à lèvres. Oh, c'est des baumes à lèvres. Oh, ça fait vraiment du bon. J'avais l'intention de prendre des gloss, je l'ai vu tout à l'heure en plus. On va prendre ça et on se casse, c'est bon, c'est fini. C'est où? Oh, c'est là, exactement. Regardez ça. Lip Gloss Glow Set. Vous voyez ce que les meufs mettent sur les lèvres là, pour que ça brille là. Un gloss, c'est ça, je vais prendre ça. Je vais essayer de trouver autre chose. Si je trouve rien, on se casse. Vernis, ça j'ai vraiment pas envie de prendre. Je sais pas si Trésor en met. Mais je sais que les amis du vernis noir, ça pourrait l'intéresser. Il n'y en a pas ici. Vernis gris. Il n'y a pas de noir. Mais bon, il n'y en a pas. Donc on va aller avec ça. Les gars, le dernier cadeau du Trésor sera des parfums. Je viens d'y penser là. Et de l'autre côté, il n'y en avait pas. Mais ici, il doit y en avoir. Regardez tout ça. Si je trouve un petit parfum là, je trouve un petit truc qui sent bon là. Et tout là, et c'est bon. Les cadeaux du Trésor sont complets. Qu'est-ce que je vais prendre? Un truc qui a l'air comme, tu vois, élégant là, spécial et tout. Genre, à quoi, tu vois? À quoi? Le nom là, t'entends le nom là, c'est genre... Quand tu le mets sur toi, tu te sens genre comme si tu es dans un aquarium. À quoi, tu vois? Volatile. Dès que tu mets ce parfum-là, tu voles. Genre, tu marches dans la rue, les gens passent à côté de toi, ils ont envie de voler à côté de toi, tu vois? Comment on fait pour tester? Je sais qu'il y a un petit papier là qu'on peut utiliser, mettre le parfum dessus là, sentir. Est-ce que je peux tester les parfums là? Comment je fais pour tester? J'ai pas le petit bout là. Les papiers là pour tester. Ok. Ils sont là. J'ai pas fait attention, frère. Là, j'ai dérangé le bug là pour rien. Là, il s'est déplacé là. Mais bon. Donc là, je vais mettre les parfums que j'aime de côté. Ensuite, là, on va les tester chacun. Ensuite, là, je vais éliminer. Et il y aura un seul gagnant. Donc là, les gars, continuons et on va voir qui sera le gagnant, quoi, tu vois. Je vais aller avec le volatile. À quoi? J'admire. Et un dernier. Pour ne pas en faire trop là. Là, on va aller avec cela. Pas trop de choix non plus. On va rester avec ça. On va commencer avec volatile, ok? Ok, sens-le et dis-moi si t'aimes ou pas, ok? Santé. T'aimes? Moi, je vais y aller, je vais voir. Non. Ça c'est fort, hein? Hell, non. Ça, c'est... Oh, ça c'est fort, celui-là il est fort en tout cas. Volatile là, je comprends quoi on l'appelle volatile, bro. Si tu le mets, les gens vont voler, ils vont s'enfuir de toi. C'est pour ça que ça s'appelle volatile, bro. On va aller avec Aqua. J'imagine que celui-là il sera un peu plus doux, tu vois, c'est de l'eau et tout là. Sans celui-là, le Aqua, dis-moi ce que tu en penses. C'est bon? Ouh! Celui-là il est un peu plus doux. Je l'avais bien dit, il est un peu plus doux. L'eau, Aqua.
On va ressentir le volatile. Ouais, alors Aqua là, il gagne des points là, Aqua. Il est un peu plus doux. Donc, on va finir avec le J'admire. J'admire. Et on va voir celui qu'on va prendre. Sens-le. Qu'est-ce que t'en penses? Écris dans les commentaires ce que t'en penses. Ok, à mon tour. Oh! C'est très élégant. C'est très... Oh non, ça sent le caca. Non, attends, attends. C'est pas ça, ça a une odeur un peu forte. Un peu trop forte. Nah. Ok, les gars, ça va se jouer entre... Déjà, le volatile, là, je l'élimine, celui-là. Attendez, je vais en tester quelques-uns d'autres pour voir, parce que la vérité, je suis un peu mitigé. Le Pink Kiss, là. Bisous, là. On va voir celui-là. Sans? C'est pas ce que t'en penses, c'est pas ce que t'en penses dans les commentaires. C'est bon? Écris. La vérité, les parfums, ils sentent vraiment genre ce qui est écrit. Genre là, quand je sens ça, c'est une impression... Oh! Quand je sens ça, j'ai l'impression de donner un bisou à une fille. Je sais pas. Genre le vibe de genre d'un bisou, genre. Ouais. Soit ça, les gars, le kiss, soit le aqua. Un des deux. Tout est pour femmes? Oui, c'est pour les femmes. Tout est pour les femmes? Ouais, tout pour les femmes. Entre ça et ça, genre. Qu'est-ce qui est le meilleur? Tu sens ça? Ça? Donc c'est ça alors. Ouais. Ok, je vais prendre ça alors. Parce que là, je me casse la tête, là, il y a trop de trucs. Ok. Ça, c'est plus bon. Ça c'est plus bon? Ouais, ok, on va aller. Je vais voir. J'espère que je me trompe pas. Hein. Ok, chat, attends, je suis un peu perdu là. Ouais, je pense que c'est celui-là. C'est ça, non? C'est ça que tu sentais? C'est ça? Putain de verre mélangé là, attends. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ouais. Bon, c'est bon, je vais prendre ça. On y va. On se voit tout à l'heure pour que je vous montre les cadeaux, les gars. Je sais, les souliers de bijoux et tout, vous voulez voir, je sais, calmez-vous, les gars. S'il vous plaît, calme-toi, je sais que t'es impatient. Tu vas tout voir tout à l'heure, ok? Bon, les gars, là, on est le lendemain du lendemain. Donc là, on est au jour 3, là. Les gars, hier, j'avais plus d'idées de cadeaux à acheter, là. Donc là, je me suis dit que j'allais rester avec ce que j'ai acheté à Trésor. C'est clean. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais emballer les cadeaux. Donc là, j'ai acheté ça. Un truc pour pouvoir emballer les cadeaux, là. Et les gars, j'ai jamais emballé de cadeaux toute ma life. Et Bijou, actuellement, il est pas à la maison. Il est avec des potes. Aussi, Trésor est pas à la maison. Mais je vais pas prendre le risque d'emballer les cadeaux à la maison, tu vois. Donc là, je suis sorti, je suis venu d'un endroit perdu là, je suis dans la voiture et puis je vais tout emballer devant vous quoi. Et puis Noël est dans à peu près un jour, un ou deux jours. En tout cas Noël est dans moins de 48 heures, c'est ça que je sais. Donc là, on va emballer les cadeaux maintenant et puis au fur et à mesure je vais vous montrer les cadeaux. Vous voyez, t'es resté jusqu'à la fin pour avoir les paires que j'ai acheté à Bijou. Je sais que t'es impatient, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui est comme frère montre les choses, montre les paires, montre qu'est-ce que t'as pris, tu vois. Je sais, comme toi. Ouais, le ciseau, j'avais pris un ciseau à la maison là. Ok, il est là. Voilà. Donc, on va commencer ça. Déjà, on va enlever le plastique. J'espère que ça sera aussi assez, hein, parce que je sais pas s'il est long. On va déjà... Regardez ça. Et vous allez dire dans les commentaires si j'ai bien emballé ou pas. Vous allez noter mes talons, ok? Ok, je pense qu'il sera assez... Oh, ok. Ok. Wesh. Ok. Frère, c'est transparent! Oh, je me suis fait scam! Mais putain de merde! C'est transparent! Yo! Frère, mais ça me sert à rien alors! Ça sert à rien! Oh putain de merde! Frère! Attendez. Disons le cadeau à Trésor, ok, un petit cadeau à Trésor là, le gloss. Mais non, ça sert à quoi? Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment fait tout ça pour rien, bro? Pas l'achat de cadeaux, mais genre
ça là, je l'ai acheté hier, c'est déterre, j'ai dit aujourd'hui je vais emballer le tout, comme ça sera prêt pour dans deux jours là, pour Noël et tout, et là je tombe sur ça. Mais frère, je pense qu'on va faire avec ça, hein, les gars. J'essaie de penser à quelque chose qui pourrait être bien. Merde. Genre, j'utilise quand même ça. Et puis là, je les roule dans quelque chose, un papier, un plastique, genre pas visible. C'est quoi l'utilité de ça, en vrai? C'est quoi l'utilité? Si, c'est transparent. C'est quoi l'utilité? Oh, j'ai perdu mon temps, frère. J'ai perdu mon temps et de la thune. En vérité, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Oh, fuck. Vraiment, ça, c'était pas prévu. Ça, c'était vraiment pas prévu, les gars. Ça, c'était pas prévu. Je m'attendais pas à ça. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que, les gars, je vais repartir dans le magasin et puis réacheter un papier pour pouvoir enrouler les cadeaux. Et celui-là, je vais faire attention qu'il soit pas transparent, quoi, tu vois, genre, j'ai pas le choix. On se retrouve, je pense, quelques heures ou 24 heures avant Noël, je pense. Et demain, très tôt, je vais repartir, réacheter un truc pour emballer. Ensuite de ça, on se voit, les gars, je vais tout emballer devant vous. Et ensuite de ça, on a fini et on se reverra à Noël pour le déballage des cadeaux. Ah, je vais vous montrer un truc là. Je sais qu'il y en a qui rasent là. Ouais, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, ok? Calme-toi, ok? Déjà, t'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Donc, pour les meufs qui sont là, c'est une bonne idée de cadeau ou pas? Écrivez dans les commentaires oui ou non. Ensuite, je sais, les gars, je sais. Il y en a qui veulent voir qu'est-ce que j'ai acheté à Bijou. Je sais. Je vais vous montrer un, ok? Pour ne pas tout vous montrer directement, ok? Juste un. Vous savez pas, j'ai pris quoi comme. Souliers de dehors, parce que j'ai pris des souliers d'intérieur et de dehors. On va aller avec celui de dehors, ok? Je vais vous montrer un aperçu, ok? Je sais qu'il y en a qui attendent là, qui rasent là, comme toi. Ok? Juste ça. Yeah! Jordan! Là, on se calme, les gars. Je vous ai montré, je vous ai promis que j'allais vous montrer. Mais pas tout. Je vous ai montré un aperçu. Là, maintenant... Avant l'emballage des cadeaux, je vais tout vous montrer. Donc, calmez-vous, ok? S'il te plaît, calme-toi. Pour toi, ça va être quelques minutes. Pour moi, ça va être genre, littéralement, genre 24 heures, ok? Donc, calme-toi. Là, je vais rentrer à la maison. Recacher tout ça dans le coffre. Je vais tout recacher dans le coffre. Et ensuite de ça, on se voit demain pour voir les cadeaux. Et après demain, ou frère, je sais même pas c'est quand, frère. Ouais, c'est quand déjà? Et quel jour? Bref, on se reverra pour pouvoir emballer les cadeaux. Et ensuite de ça, déballer les cadeaux avec bijoux et trésors. Et ça va être cool, quoi. Donc. Bon, les gars, enfin, on se retrouve encore pour la je sais pas combien de fois. Et là, les gars, aujourd'hui, on est le 24 décembre. Il est à quelle heure actuellement? Je pense qu'il est genre 15h et quelques. Et on se retrouve pour pouvoir finalement emballer les cadeaux, quoi. Et demain, c'est Noël. Donc, demain, la vidéo va être qu'on va déballer tous les cadeaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emballer. On va tout emballer tout de suite. Comme ça, je rentre à la maison, je cache tous les cadeaux dans le coffre. Et là, demain, le 25, vers 10h, quand on sera tous réveillés, je vais aller dans le coffre, tout sortir et on va les surprendre, quoi. Ben oui! Enfin! Pourquoi j'ai pas pris ça de base? De base! Bref, les cadeaux sont dans le coffre. Je les ai même pas encore sortis. On est de retour. Vous voyez l'ancien là qui est plastifié là. Celui-là, je me suis dit que je vais quand même l'utiliser pour quelques cadeaux. Comme ça, genre, ça aura pas été du gaspillage, tu vois. On va commencer avec le premier. Qui sont les Jordan de bijoux. Ouais, j'ai jamais fait ça, les gars, donc sois un peu indulgent avec moi. Je pense que. Il faut que je coupe. Attends. Je vais enlever ça. Ça va être moins gros pour moi. Oh. C'est facile en vrai. Emballer des cadeaux. Regardez, c'est juste ça. Juste comme ça. Ensuite, ça. Oh, je suis trop fort. Et là, maintenant, je suis pas sous. Tout l'arrière.
Les gars, c'est bien fait ou pas? Oui ou non? Écrivez dans les commentaires. Oh! Ben oui! Ouais, j'ai tué ça, les gars. J'ai tué ça. Mais il y a trop de scotch. C'est trop scotché. On va rentrer à celui-là. Donc là, on va utiliser ça. Le transparent, là. Au moins, le cadeau, il est déjà emballé. Et là, il y aura le transparent sur le cadeau. Donc là, tu vois, deux emballages sur un. C'est mieux. Et... terminé, les gars. Premier cadeau. Double couche. Donc là, on met ça à l'arrière. Là, on y va pour le deuxième. Sinon, on va aller avec Trésor. Les gars, le chandail de Trésor, là. Clean, customisé. Je vais le mettre dans ça ici. C'est pas vraiment besoin de le cacher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va le mettre comme ça. Et c'est bon, quoi. 3 et 4. Oh, non. Vraiment, la qualité est vraiment médiocre, frère. Mais bon, je vais le scotcher et puis ça va passer crème. Parfait. Trésor. Bijoux. Deuxième boîte de souliers, les gars. Écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires. Noël, Noël, Noël. Trois fois. Noël, Noël, Noël. Voilà, c'est resté jusqu'à là. Donc, like, abonne-toi. Et bye bye. On se voit demain. Ça a été long cette vidéo là, mais bon. Voilà.